Et bonjour tout le monde, c'est Alric pour la suite du challenge de F0GX pour le mode story. Allez, aujourd'hui on est parti pour le deuxième chapitre. Non, pas le chapitre 9, putain. Ah ouais, d'un coup ça me met sur le chapitre 9, vous voyez tous les autres. Bon, bref. La dernière fois on avait fait l'entraînement de Captain Falcon, ça c'était pas trop mal passé au début, sauf qu'en difficile je me suis planté alors qu'il me restait pas grand chose. Cette fois-ci on va s'attaquer au chapitre 2. Goro, le samouraï vindicatif. Falcon est dans le désert à la poursuite d'une prime et tombe dans une embuscade. Voilà, c'est mieux. Alors ce challenge, je l'ai pas réussi en très difficile. Je l'avais réussi, me semble, avant que je perde mes sauvegardes. Et du coup, il faudrait que je réessaye pendant cette vidéo de le terminer. Enfin, en tout cas, si je vais terminer en normal et en difficile avant. Ce qui devrait pouvoir se faire, je pense. Même si c'est quand même un challenge assez difficile. Enfin, un chapitre assez difficile. Bon, je vous laisse la petite cinématique. You stole the prize money from us last time. You will pay for that. Driving Falcon. You know the law here in Red Canyon? If you lose the race, you forfeit your machine. You can't back down now. The mighty Falcon can't back down from a challenge now, can he? Let's do it. All right then. The first one to that checkpoint over there is the winner. I can't lose in my fire stingray. Ok, il est pas content, Samurai Goro. Heureusement qu'on fait pas de bras de fer avec lui, parce que franchement, on se prendrait la pâtée. Alors, voyez le tracé, vachement, comment on dit déjà, sinueux. Passer la ligne avant Samurai Goro, voilà, ça va être une course contre lui, un contre un. Et vous allez voir que les obstacles vont se mêler à la fête. On va mettre Max, comme d'hab. Et c'est parti. Bon, là, vu que je suis en normal, je pense que je devrais y arriver, mais... Ce qui est chiant de ce chapitre-là, c'est que c'est des fois un peu aléatoire, quoi. Évidemment, il part à 3 km devant, hein, c'est tout à fait logique. Mais ce qui va être difficile, c'est ça. C'est satané rocher qui tombe de la montagne. Donc, il a été foutu là exprès, bien sûr, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Hein, parce que... À mon avis, quand vous allez à la montagne, il n'y a pas des rochers qui tombent sur la route comme ça, naturellement. Alors, au début... n'utilisez pas trop vos turbos, gardez surtout votre vie. Parce que si vous faites toucher déjà par les rochers, vous perdez déjà votre vitesse et un peu de vie. Et surtout, faut... Oh ah. Et merde. Ça y est, ça commence. Parce que les rochers vont tomber de plus en plus nombreux sur la piste. Donc, mais... Ok. Fail. Merci de me l'indiquer en gros. Recommencer. Bon, comme d'hab, j'ai 3 essais. Ce serait bien que j'arrive au moins en normal quand même, putain. C'est un peu honteux là. Bref, il faut garder votre vie. Parce que, enfin, moi, ma technique en tout cas, c'est de garder ma vie et de spammer le bouton turbo avant la dernière ligne droite. Il y a aussi un moyen beaucoup plus difficile, on va dire. C'est d'essayer de tuer le samouraï Goro carrément, quoi. De lui faire perdre toute sa vie. Mais je peux vous dire qu'il est vachement résistant. Hein. Des fois, vous le frappez moins 50 fois, il est toujours pas dead. Donc bon. Il faut essayer plusieurs techniques, mais je préfère essayer de le doubler à la fin, parce que c'est vachement trop risqué d'essayer de le tuer.
Surtout que des fois il se prend des rochers tout seul. Il aime bien les rochers. Attendez, je vais me concentrer un peu. Il est juste là, le con. Ok, là ça va. Ah, je crois que je l'ai doublé. Non, il me rattrape. Bon, il a dû mettre un petit turbo. Là, ça va commencer à se corser. On va arriver vers la fin. Regardez-moi comme il esquive les rochers. C'est un pro. Allez, on le double. Là, ça craint. Non! Allez, 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 turbo, 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 non! C'est quoi ça? Putain, j'y crois pas, le con! J'ai mis tes turbos à fond, il m'a doublé. Ça va pas se passer comme ça. Ah, je suis dégoûté, là. En plus, ça démontre que ma technique, c'est de la merde. Bon, bref. On est reparti. Attends, c'est pas très dur en normal. Faut peut-être que je le double plus tôt. Que là, j'avoue que... Alors, la fin, on était un peu serré, mais j'avais pas vraiment d'avance. Bon, pour l'instant, on reste derrière lui. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai essayé de le frapper tout à l'heure. Dans le Grand Prix, il suffit de le taper avec X et les ennemis, enfin, la plupart, ils meurent direct, alors que là, il est même pas devenu rouge. Il a dû mettre vie infinie. Ah, je l'ai doublé. Enfin, à chaque fois, il met son turbo de merde. Regarde-moi ça. Ou alors, ouais, vous pouvez essayer de le provoquer. Comme ça, il utilise ses turbos, il perd de la vie aussi, sauf que vous aussi, vous en perdez. Ah, il attaque, le con. Je me souviens même pas qu'il était aussi chiant, quand même. Hein. Allez, on accélère. Oh, non! Eh, merde! Fail, fail et fail. Bon, écoutez. J'ai failé les trois, les trois parties. C'est génial. Donc bon, je vais pas pouvoir monter le difficile, on va terminer la vidéo sur le très difficile. Parce que j'ai quand même envie d'essayer quoi, même si je perds au normal. On sait jamais si j'ai une chance de cocu et que j'arrive à la terminer premier. Pour montrer aussi un peu la différence. Ouais, du coup je passe direct en très difficile, alors si j'ai déjà j'arrive pas en normal. Oh là là. Je vous dis, mais je crains la suite après, parce que ces deux chapitres-là, c'est vraiment pas les plus difficiles. Allez. Ah putain, ça me gratte. Ah, c'est bon. Go! En tout cas, j'aime bien le principe de ce petit chapitre. Ils sont assez... Ah! Vous voyez déjà tous les rochers qui tombent. Ils sont assez éclectiques, les chapitres, quoi. Il n'y a jamais vraiment une mission qui ressemble à une autre. Bon, généralement, quand même, c'est toujours d'arriver premier ou avant un temps défini, mais... On va dire que le contexte est assez bien foutu. Allez, concentration. On a toute notre vie. On n'est pas largué. Là, vous voyez que les rochers ils tombent avant même qu'on arrive à leur hauteur. Allez, on a rattrapé. On l'a doublé, je crois. Non, il est là. Dégage! Putain, pas les petits rochers. Là. Putain, ça craint. Allez, dans le cul. Oh putain, les petits rochers. Les petits rochers. Non! Surtout ne restez pas au milieu. Voilà, qu'est-ce que je fous? Au milieu de la piste, parce qu'au milieu il y a tous les gros rochers! Et voilà! Ah, oh, fait chier. Je vais pas y arriver. Bon. Allez, je suis une dernière fois.
on arrêtera la vidéo là-dessus. Je vais pas recommencer 50 fois. Vous voyez quand même, c'est vachement chaud quoi le truc. Normalement les rochers, ils tombent... Enfin, c'est pas différent à chaque fois, je veux dire. C'est le précalculé. Donc, si vous arrivez à retenir la trajectoire de chaque rocher à tel endroit de la course, vous pouvez essayer peut-être d'anticiper et de tracer votre... Enfin, d'imaginer votre une trajectoire optimale. Mais franchement, bonne chance, hein. Vu le nombre de rochers qu'il y a. Allez. Ah, c'est un peu risqué, là. Là, on passe à gauche. Putain, pourquoi j'utilise la toupie qui me fait ralentir. Saleté de cailloux de merde. Putain. Je crois que je suis passé à travers, là. Putain, là, j'ai horreur de ce passage. Allez, on reste à gauche. Là, il faut que je reste à gauche, parce que je sais pas pourquoi je suis allé à droite comme un couillon. Allez, 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 Oh mon dieu. Yes. Mon dieu. Enfin. Dalton, I'm gonna get you in the Grand Prix. Oh mon dieu. J'ai réussi. Oh là là, je vous jure. Oh ben j'ai réussi en très difficile, voilà. Pouh. Eh ben putain. Ah c'était chaud. Là je suis trop content. Bon du coup je vais vous montrer dans le magasin parce que j'ai débloqué un personnage. Un personnage spécial. Avec 360 tickets, je pense que ça suffira. Ouais, j'en ai autant parce que j'ai fait les vidéos en master. Hein. Voilà, Spark Moon. Normalement, elle est, on la voit en ennemi. Tiens, c'est quoi ça? Hein? Ah, j'ai oublié de l'acheter lui aussi. D'accord. Je sais même pas qui c'est. Attendez, c'est quoi ce bordel? Rolling Turtle. Ok. Mais c'est qui ce mec? Attends, il y a un truc bizarre là. Ça doit être un... Encore... Un gars de la coupe AX. Mais ça me dit rien du tout. Ah, QQQ, il s'appelle, non? Il me semble. Il manque... C'est quoi cette lettre? Bref, je crois que c'est QQQ, il s'appelle. Ouais. Ok. Je crois que je l'avais jamais débloqué celui-là. Et donc Spark Moon, c'est Princia. Jolie brune. Ouais. Ouais. Il n'y a rien qui vaudra jeudi summer. Hein. Et... je sais pas pourquoi je puisse rire de sa dique. Ok, ben on va terminer la vidéo sur petite musique de pilote. Alors, on en était où? Vous voyez qu'il y a un ordre, elles sont numérotées par ordre les joueurs. On va écouter, je sais plus si je l'avais fait écouter. Pff. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait la première vidéo en fait du challenge que je me rappelle même plus les musiques que je vous ai fait écouter. Ouais. La musique est pas terrible quand même. Hein. Celle de Pico. Non, celle-là elle est pas trop mal.
vraiment un gros bourrin lui. Je vais dire un peu répétitif cette musique, mais là ça part en couille. Hein. Alors Captain Falcon, on a déjà écouté. Faut que je garde des persos en réserve aussi quand même. Mais c'est bien parce que vu que j'en débloque des nouveaux, enfin que j'ai débloqué notamment Princia et... Ah non, c'est 999 qui s'appelle... Pas QQQ. D'accord. Numéro 39. Au moins on pourra écouter leur musique en plus. C'est cool. Donc que je garde des persos pour la suite. On va terminer sur Octoman. Pas mal cette musique. Bon, c'est pas non plus énorme, mais j'aime bien. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus. La prochaine fois, on s'attaquera au chapitre 3. Un chapitre très très chiant. Mais bizarrement, j'y suis à peu près arrivé, donc faut espérer que je ferai une bonne performance. Espérons, croisons les doigts en tout cas. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, tout ça, tout ça. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour la suite.